Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Cancer, on est parti. Amis Cancer. Le nettoyage, la tempête et l'obscurité et la lune. Nettoyage et tempête. Le petit message du nettoyage et de la tempête, carte numéro 23. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps. Lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération. Faites le moins de mal possible, mes amis. Cancer. Nous allons voir l'exercice associé pour vous. Cette semaine, l'exercice associé à mes cancers. La magie et le chakra couronne. Bon. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Exercice associé à la magie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et surtout, que voulez-vous créer ? En fait, il y a vraiment une énergie de questionnement chez vous cette semaine qui peut avoir des effets assez intenses. On va aller voir votre énergie majeure. Énergie majeure, amis Cancer, semaine du 11 au 17 mars. Le pape et l'empereur, oui. Grosses énergies quand même. Alors nous avons l'énergie du pape, l'ordre, la valeur, la morale, ce qui est juste, ce qui vous semble le plus établi dans votre façon de penser, dans votre façon de considérer le monde, dans la façon dont vous vous envisagez dans ce monde, l'idée d'officialiser quelque chose. Avec l'empereur, ça joue vraiment sur une puissance de feu d'importance. Donc c'est vrai que ça peut vous questionner. Si vous vous interrogez sur vos capacités par rapport à ça, peut-être sur une façon de vous engager professionnellement ou dans un projet de manière générale ou de construire votre vie, comment vous structurez votre vie. Il y a quelque chose qui prend une importance très forte tout à coup pour vous cette semaine et qui vous ferait presque perdre un peu l'équilibre ou qui vous dérouterait presque. En fait, vous avez quelque chose à faire. C'est un peu comme une responsabilité qui vous troublerait. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Cancer. Amis Cancer, matériellement, concrètement, semaine du 11 au 17 mars. Cavalier de coupe, l'étoile, cavalier de coupe à l'envers, l'étoile à l'endroit. Cinq de denier à l'envers, valet de denier à l'envers.
6 de denier à l'envers, 5 d'épée à l'envers. Ah non, à l'endroit. Ah oui, ça chahute. Alors, vous avez peut-être un problème avec justement l'ordre, la valeur, la morale et vos responsabilités par rapport à une situation qui finit vraiment par vous gêner profondément, puisque vous pourriez être vraiment déçu ou déstabilisé par quelqu'un qui devait amener quelque chose d'assez idéalisé et qui n'amène rien, par des problèmes financiers ou le fait de ne pas être aidé ou de vous rendre compte que quelqu'un n'aide pas dans cette situation et par vraiment le déséquilibre que cela crée. Ça chahute vraiment. En fait, il y a quelque chose qui peut chahuter vraiment votre façon de voir le monde, votre façon de voir la vie. Et ça peut vraiment vous questionner sur cette personne, si c'est une personne, sur ses valeurs à elle, sur ses capacités à amener quelque chose à son terme, à faire que les choses se passent bien. C'est plus que de la déception dans ce cas-là, parce que ça vous demanderait de prendre les choses en charge, de vous rendre compte que cette personne fait vraiment quelque chose de catastrophique au niveau de voilà, elle met tout le monde dans la panade. Elle est pas là quand on a besoin. Les échanges étaient corrects, mais ils ne le sont pas du tout en fait. Voilà. Et ça, ça peut être quelque chose qui vous demande de prendre vos responsabilités plutôt que d'accuser l'autre de ne pas avoir pris ses responsabilités finalement. C'est de dire, bah, dans ce cas-là, je regarde mes responsabilités dans cette situation. Pourquoi j'ai laissé cette personne faire ce qu'elle a fait? Pourquoi je me suis laissé imposer certaines choses? Pourquoi je me suis fait avoir sur certaines choses alors qu'à ce moment-là, je suis responsable et je peux moi-même décider que les choses sont différentes, seront différentes aussi. Qu'est-ce que je peux perpétrer dans, j'ai ma magie à moi, j'ai mes valeurs, j'ai ma façon de voir le monde. Mais ça vous déstabilise, je pense. Vous avez aussi porté un idéal vous-même qui n'a absolument pas porté ses fruits. Là, il y a quand même un souci financier, par exemple, cette semaine. Quelque chose qui fait que ça ne marchera pas. Vous êtes persuadé que ça ne marchera plus. Que voilà, ça, il n'y a plus de soutien. Vous n'êtes pas aidé cette semaine non plus. Et donc, ça met quand même à mal votre façon de voir le monde, votre façon de voir la vie. Vous portez ce projet-là peut-être aussi, si vous portiez un projet. On va aller voir. Émotionnellement, ami Cancer, semaine du 11 au 17 mars. Émotionnellement. Le pape de denier. L'empereur. Alors on a vraiment le pape, l'empereur. Le pape, l'empereur. En dos de deck. On était bien. De coupe, le pendu. Vous avez envie de prendre vos responsabilités, vous avez envie de prendre tout votre pouvoir sur une situation, de reprendre peut-être même tout votre pouvoir sur une situation, mais ça vous trouble énormément parce que du coup, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités, comme disait l'autre. Le pape, officialisation, peut-être des valeurs là aussi qu'on vous a inculquées. Il y a peut-être une énergie très masculine, d'autorité, d'un supérieur, de quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous a imposé sa loi et cette façon de voir les choses et la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est satisfaisant? Qu'est-ce qui apporte la joie, l'enrichissement, la satisfaction? Il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi, donc, cette idée, cette énergie masculine qui est très forte, qui peut être aussi pour les femmes l'idée de prendre un pouvoir, de reprendre son pouvoir, de décider, de prendre ses responsabilités. Le professionnel peut jouer vraiment beaucoup sur votre vie émotionnelle aussi, surtout si ça joue sur vos valeurs, sur la façon dont vous vous considérez, de l'image que vous voulez représenter aussi. On
va aller voir un tout petit peu plus avant, ami Cancer, pour nos cancers célibataires cette semaine. Trois d'épée, 7 d'épée. Bon, alors vous êtes bien peut-être fait avoir par quelqu'un. Grosse déception, trahison, vous ne vous y attendiez pas du tout, mais vous avez rencontré Joe l'arnaque et il vous a brisé le cœur. Ou vous l'avez rencontré précédemment et là, ben, vous reprenez quand même le pouvoir et puis vous reprenez confiance en vos valeurs. C'est prendre vos responsabilités, c'est vous dire, bon, ben là, on va se sortir de cette impasse-là, je reprends ma souveraineté émotionnelle. Parce que trahison et réalité qui n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout. Ou alors vous vous questionnez vous-même sur vos responsabilités par rapport à l'idée de vous être trompé vous-même ou d'avoir trompé certaines personnes. Pour quelles raisons, pourquoi, au juste, où est-ce que ça vous a mené? Il y a un questionnement et un nettoyage à faire peut-être aussi. On va aller voir nos cancers en amour flou. Là, le jugement, non, les amoureux, écoutez votre corps plutôt que votre raison. Alors là, il va falloir suivre un chemin plutôt dans l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'écouter ce qui fait sens chez vous plutôt que ce qui fait sens chez les autres, dans la société, dans la vie. Il y a une ligne à suivre qui n'est peut-être pas si évidente que ça pour vous. On va aller voir les cancers en couple. Reine de denier, cavalier d'épée. Alors, il y a quelque chose de très pratique à prendre en charge, à prendre en main. Et puis, il faut y aller franchement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si personne s'en occupe, il faut s'en occuper. Donc, et au bout d'un moment, point trop n'en faut. Faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. C'est un peu cette idée-là. La reine de denier, elle aime bien faire les choses, elle sait faire les choses, elle prend soin, etc. Mais là, il faut un petit coup d'accélérateur parce que, effectivement, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'idée, c'est de reprendre les choses en main. En fait, les cancers, là, l'idée, c'est de reprendre votre pouvoir sur une situation qui, je pense, à un moment donné, vous a un peu échappé ou vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais non. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Cancer, semaine du 11 au 17 mars, maison Dieu, 9 de coupe, reine de denier, 7 de bâton. Tempérance, très bien. 4 d'épée. Bon, ça va demander du temps, je pense, mais en attendant, vous allez vous occuper de certaines choses. Il y a tout à coup l'idée de quoi vous avez envie. Il y a une situation qui a été déstabilisante pour vous et ça a mis les pieds dans le plat, mais ça a surtout réveillé une chose, c'est on ne pousse pas mémé dans les orties, par exemple. De quoi vous avez envie? Quels sont vos souhaits? Quels sont vos vœux? Est-ce que vous voulez que tout le monde soit heureux? Les gens que vous aimiez soient heureux? Que vous soyez heureux? Qui va prendre cette histoire-là en charge? Les autres? Non, ça sera vous. Voilà. Et je sens que vous en avez très envie de reprendre votre pouvoir sur une situation. Reine de denier, vous êtes capable parce que vous avez cette capacité de prendre les choses en charge, de vous occuper de manière très concrète des choses, parce que vous avez beaucoup réfléchi à la question, parce que vous avez beaucoup pratiqué, parce que vous avez... Voilà, vous êtes terre à terre, vous êtes concret. Si personne s'en occupe, ça sera à vous de vous en occuper. Et bien, c'est comme ça. On reprend ses responsabilités là aussi. Tempérance. Et du coup, ça vous apaise parce que c'est comme ça qu'il fallait possiblement réagir et arrêter de subir, de reprendre votre pouvoir. C'est arrêter de subir, d'avoir l'impression d'être brinque-ballée.
Et du coup, ça prend du temps, c'est une notion de guérison. On a la tempérance, on a la 4 d'épée. Guérison, apaisement, tranquillisation de l'esprit surtout. Et les choses peuvent reprendre un cycle beaucoup plus serein, ou un petit peu plus serein en tout cas, que précédemment. On part quand même d'une maison Dieu qui est très secouante, qui met en branle un petit peu votre confiance, vos valeurs, votre façon de voir le monde, ce qui est officiel, ce qui est mis au grand jour, et qui n'est pas forcément très agréable. Nettoyage, tempérance, retranquillisation, apaisement. Donc c'est vraiment une semaine chargée émotionnellement, énergétiquement, mais qui amène un soulagement, qui amène un apaisement. On va aller voir le conseil, un conseil pour nos amis Cancer sur ces énergies. Oupla, oupla, oupla. Un conseil. Sept de coupe et reine d'épée. Bon, arrêtez de rêver. Faites un tri sur ce que vous voulez vraiment. Et puis prenez des décisions en conséquence. Reine d'épée, ben, on va se battre pour ce qui est important pour nous. Des décisions doivent être prises. On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. On a rencontré des gens qui nous ont vendu des trucs pas possibles. Et en fait, ça ne tient pas du tout la route. Et ils ne sont pas là quand on a besoin d'eux. Et bien, c'est terminé. On va reprendre les choses en main. On arrête d'être dans une espèce de fantasmagorie, mais en même temps, l'idée de justement réfléchir à cette idée-là d'arrêter de l'être, c'est de réussir à définir vraiment ce qui va vous convenir et que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Et on est quand même sur des objectifs de 9 de coupe, encore une fois, 9 de coupe qui sont un peu bloqués. C'est une autre façon de voir les choses que vous engagez, possiblement parce qu'il y a eu un blocage ou quelque chose sur lequel vous avez buté. Qui vous remet d'équerre en fait, hein. Un peu comme la maison Dieu, ça remet tout le monde d'aplomb, ça remet l'église au milieu du village, ça remet, voilà, et on va se concentrer là-dessus. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine, ami Cancer. Je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, amour et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.